vie, Pam. Il est temps d'accomplir ta promesse. Elle doit partir avec moi. Non, elle est à moi. Nous sommes le peuple du royaume de Oudélé. Et les dieux de cette terre ne te permettront pas de la voir. Partons. Ada! 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 Naï! Naï! Ada Naï! Maman, tu as bien dormi? Oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Je voulais juste me rassurer que tu vas bien. Je suis bien, je suis juste sortie. Pourquoi? Faire des choses normales, je vais me soulager. Ok. C'est bon. Rentre dormir. Merci à toi aussi, maman. Dors bien. On se voit le matin. Naï, je les ai vus. Ils essayaient de traîner notre fille avec eux. Et c'était ces mêmes esprits que je vois toujours dans mes rêves. Oh. Olimi, je suis de plus en plus confus. Nous n'avons pas de petits enfants ici dans cette maison. Nos enfants ont déjà grandi. Non, je sais. Ils disent que notre fille est à eux et qu'ils veulent la récupérer. Notre fille. Olimi. Olimi, je pense qu'il te faut quelques produits. Olimi, il faut que tu ailles voir l'herboriste pour qu'il te donne ce qu'il faut. Naï, je n'en ai pas du tout. Au fait, dès demain matin, je vais inviter le prêtre qu'il nous vienne en aide. Nous avons besoin de lui. Tu es sûr que tu n'es pas en train d'halluciner? Naï, bah non. Non! Nanga! Ndombele ndo aso. Mira tala aso anuna. O katala badida dibia mana ma ho ko nuno ko. Eh? Ogwadia. Asim no wezezo ka heru dela to tongega nganga ne ndo mmiri ndu azu mmiri atala azu anwuna agadi nwanyi huru mamene na takwa nga nota amwa ka ka nyono mamene okpo no fofo eh nganga ne mba akwukwo si nelu bi ada na no gbalaka na oso fufe na chua aturu were onu mazimi zimi ya heru onu ma yocha ya na ho Ngangane! Ngangane! Toi! Quand un oiseau est perché sur un arbre, il dansera selon que la branche va se pencher. Comprends-tu, qu'est-ce qui se passe comme ça? Attendez,
Vous ne pouvez pas voir ce que je vois, encore moins entendre ce que j'entends. Seuls ceux qui sont nés de l'esprit peuvent comprendre les choses spirituelles. Toi, d'où est-ce que tu viens? Ngangane! Ngware mori kuku na ngware odi igwa na emi ampiaji. J'étais en train de boire, ça fait déjà longtemps. Je comprends ce que tu veux dire. Quand est-ce que la nourriture sera prête déjà? Mon ami. Calme-toi, ça ce n'est pas ta maison, hein? T'en fais pas pour ça. Ça va passer. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais, mon ventre est vraiment affamé. Tout est sous contrôle. T'en fais pas. Vous êtes là? C'est de ça dont je parlais. Oh, oh mon Dieu. Tu vois Dieu. La raison à laquelle je ne vais pas me marier. À cause de ma cuisine? Tu as intérêt à aller te marier à Edgy. Avant que tu ne le saches, je vais déjà me marier à quelqu'un. Tu Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que tu ne vas pas voir les hommes. Oh, laisse-moi. N'oublie pas ton âge, hein. Attends, attends, c'est quel genre de comportement ça? Attends d'abord. Botou est mon ami. Comment est-ce que ça se passe entre toi et Yeji? Hein? Juste là. Juste là? Yeah. Yeji! Yeji! Papa, maman, papa. Tu as vu ce qui s'est passé? Maman! Non seulement il est mort, il a même disparu. Disparu! Cette histoire est vraiment étrange. Non, c'est vraiment étrange. Papa! Adamia! Ah! Papa! Ah! Ah! Maman, pourquoi vous criez? Et pourquoi vous êtes cachée ici? Ma fille, quelque chose d'étrange vient de se passer dans notre parcelle. Quelque chose d'étrange? Mais il n'y a rien d'étrange qui vient de se passer dans la parcelle. Ada, ma fille. Es-tu sûre? Tu es vraiment trop jeune pour comprendre ce dont ta mère et moi sommes en train de parler. Tu ne vas pas comprendre. Alors faites-moi comprendre. Dis-le-lui. Tu as dit que tu viens de la propriété là-bas. Oui, je viens de là. Et tu n'as rien vu du tout. Oline. Je crois qu'il n'y a plus rien. On peut y aller. Nani. On doit y aller. Il n'y a rien d'étrange qui vient se passer dans la parcelle, maman. Allons-y. Oui, allons. Okay. Allons-y. Maman, allons-y. Il n'y a rien de si horrible. Hey! Thank you.
Arrête, arrête, arrête. Arrête ça. Arrête. Laisse-moi tranquille. Non. Laisse-moi partir. Mm-mm, je te laisse pas. J'ai tout entendu. Je sais que tu m'utilises comme un passe-temps. Non. Mais pourquoi tu dis ça? J'essaie juste de faire une déclaration. Et ça a mal sonné. Je m'excuse. Qui je ne voulais pas dire ça. Qui est-elle? Qui? Qui c'est? Qui? Écoute, c'est très évident que ton cœur bat pour une autre personne. Alors, dis-moi, qui est-elle et d'où est-ce qu'elle vient? Hein? S'il te plaît, calme-toi, ok? Il n'y a personne d'autre, personne. Juste toi et moi. S'il te plaît, mon amour, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai parlé du n'importe quoi. Hmm? Je ne le pensais pas. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais que je t'aime. Tu le sais très bien. Rentrons à la maison. Deugo. Hmm? J'espère que c'est pas à cause de moi qu'il est parti en courant. Non, non, je pense que c'est ce que ton frère a dit. Tu sais, je lui ai demandé à propos d'elle ainsi que de lui. Et au fait, il m'a dit qu'ils étaient juste amis. Mais c'est la pire chose qu'on peut dire à propos de la relation avec une personne qui t'aime. Bien, je pense qu'il ne voulait pas dire cela. Mais c'est venu tout seul de cette façon-là. Tu sais quoi? Essaie juste d'oublier ce qui s'est passé. N'interfère même pas. Parce qu'au moment où tu vas essayer d'intervenir, tu risques de le regretter. Essaie juste de rester dans ton coin. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mmh. Mmh. Je crois que tu as raison. Deugo, mmh? Quand est-ce que tu vas te marier avec Ada? Très bientôt. Hey, tu es impatiente. Regardez-moi celle-ci. Toujours là à te mêler des affaires des autres. Qu'en est-il de ce qui te concerne toi-même? Tu n'es pas en train de rajeunir. C'est ton problème. Les filles de mon âge n'ont pas encore commencé à se marier. Pour le moment, je ne vais pas me marier. Mazi Okekembu Dikwe, qu'est-ce qui s'est passé quand sa fille s'est mariée? Et celle que son père l'avait forcée. Personne ne l'avait forcée à se marier. Elle s'était décidée de le faire parce qu'elle pensait être assez âgée. C'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Ils sont des amis de la famille. C'est elle qui a voulu se marier. Et alors toi-même? Je ne vais pas me marier. Hmm? Je vais prendre soin de mon frère. Non, mais tu es sérieuse? Oui. Hey! Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comment résoudre ce problème? Ça, c'est un problème que nous nous sommes créés nous-mêmes. Naï, je crois que ce sont des répercussions de choses que nous avons causées nous-mêmes. Nous nous retrouvons sans espoir et nous ne savons quel sera notre sort. Maintenant que nous le connaissons mieux, les dieux de cette terre nous protégeront contre toute force maléfique, Naï. Je sais. Je sais. Je ne veux pas que nos enfants sentent le déconfort que nous sommes en train d'expérimenter dans cette maison. Toi et moi savons que nous n'avons aucune explication à leur donner. C'est une raison de plus pour toi d'être relax et d'espérer en la princesse. Nous sommes obéissants aux dieux. Ainsi, nous sommes rassurés des dangers de toutes parts. Les dieux de cette terre sont à nos côtés, Naï. Tout ira mieux. Biko. Écoute, je suis sérieux dans ce que je dis. Sache que tout ce que tu fais, il y a tes amis qui te regardent. Ah.
bagarres. Pas des bagarres, mon amour. Gretchen, je te l'avais dit, non? Okuchi, ça veut bien dire ça. Si nous étions intervenus, il se serait moqué de nous. Alors mieux vaut continuer de nous mêler de nos affaires. tu as raison. C'est comme ça qu'ils sont. C'est Reggie, bienvenue. Mmh. Laisse-moi tranquille. Oh? Mmh? mon ami Ebetuko, oui? Ne t'en fais pas, je vais rentrer chez moi pour me mêler de mes affaires. Tous les deux avez sûrement besoin de vous entendre. Tu sais de quoi je parle. Je sais ce que tu insinues. On s'y va plus tard. Oh, y a pas de problème. T'en fais pas surtout. Ça va. On y va. Getty, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que tu allais rester avec tes parents jusqu'à ce que Suzanne serait de retour. Pourquoi tu es retournée? Ah, grande sœur, je me suis rappelée du grand festival qui va commencer dans Pays des Tantes encore. Je n'ai pas voulu les rater. Voilà pourquoi je suis là. Ah. Oh, tu es là. Ils vont comprendre. Vous comprenez. Il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue. Ada, s'il te plaît, va vite leur chercher quelque chose. Ok, allons-y. Ma sœur. Elles grandissent vite, ces enfants, tu as vu? Elles grandissent vraiment vite. Adané. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent avec cette maison. Juste quelques jours passés chez tes grands-parents. Tu sens qu'il y a un changement ici? Ah, mon ami, va trouver quelque chose à préparer pour le dîner avant qu'on se réveille. Tu sais que je suis toujours un enfant, je ne peux pas préparer seule. Grande sœur, allez, viens m'aider. D'accord. Oui! Je vais t'aider. Je suis maintenant contente. Je suis bien. Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Respecte les serments. Les yeux de cette terre me protégeront contre toute attaque. Ils resteront à mes côtés. Réalise ta promesse. Chérie. Non. Je n'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit. Ma fille. Ah. Mes enfants. Bonjour, papa, maman et Kiki. Je suis très heureux pour vous. J'espère que tu as bien dormi, ma fille. Nous voulons juste vous surprendre un peu. Nous avons en fait décidé de vous surprendre un peu. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui marque le jour de ta naissance il y a plusieurs années. Alors on a voulu te faire une surprise. Ah, papa. Ma fille, que les dieux de notre terre soient glorifiés. Nous ne voulons pas les célébrer. Mais quelques amis de Hugo seront ici. Hmm? Accepte notre présent. Maman chérie, merci. De rien. Merci papa. Il n'y a pas de quoi. Hey, hey. Hmm. Tu n'as même pas regardé mon cadeau. Oh, oh. Et t'inquiète chérie. Pas, ta mère te fera tout ce que tu voudras. Aujourd'hui, c'est ton jour. Maman, ma fille. Chérie, je croyais que tu avais dit que tu ne serais pas surchargée aujourd'hui. Je ne suis pas. Juste que mon parent a décidé d'appeler quelques de mes amis. Ok. Comment tu trouves ça? Tu sais quoi? Je dois partir maintenant. Préparer certaines choses pour ce soir. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Ce soir, il n'y aura que toi, mon amour. Ok. Je reviens. Très bientôt. Je vais prendre ça. Ok, pas de problème. Hé, hey mec, tu ne viens pas avec moi? On se voit le soir.
Il est 21h04 depuis que je suis ici. Il fait déjà nuit, mais il n'est pas encore là. Que je dois juste aller et dormir. Ah. Pourquoi j'irais même dormir? Je veux juste attendre ici. Ne te dérange pas, partons justement. La demoiselle du moment. Oui. Pourquoi tu me tiens comme ça? Aujourd'hui, c'est ton jour. Pas de questions, juste des surprises. Viens. Un jour puisse m'organiser une fête pareille. Il le fera un jour, t'inquiète. Il le fera. Je suis impatiente. Dédé. Oui. Il s'est fait tard, Dédé. Où est-ce que tu vas? Maman, la fête continue au carrefour du village. Je suis sûre que tout le monde est là-bas. Vous célébrez à quelle occasion? Ta fille, bien sûr, Ada. Nous avons préparé une très belle surprise ce soir pour elle, alors je dois me rendre là-bas. Ok. Ne traîne pas. Je t'aime. Je vais rentrer à temps. Mon ami, va-t'en. Que j'ai avec toi faire quoi? Vas-y toi-même. Maman, t'inquiète pas à propos de l'heure que je vais rentrer. Bonne nuit, maman. Ne rentre pas tard. D'accord. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'a pris assez du temps? Je prenais mon bain. Après tout, c'est pas moi qui suis à l'honneur. Ok. Celui-là, c'est Hugo, n'est-ce pas? Alors, c'est le temps de commencer. On va danser. On va jouer à nos jeux habituels. Mais d'abord, la concernée et son homme vont ouvrir la piste. Et après ça, nous tous, nous allons danser. Et ensuite, les jeux vont commencer. La piste est à toi. Let them know how to score. Donc, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore rentrés. Oui. Bien, il y a d'autres voix là dehors. Laissons-les profiter de leur temps. Hein? Les laisser tranquilles. Oui, Naï. Il faut les laisser tranquilles. Je vais aller là-bas et ramener mes filles ici. Ce sont des filles et non des garçons. Qu'est-ce que ça fait, Naï? Elles sont avec d'autres filles, d'autres familles aussi. Permettons-les de tisser des relations entre eux. Elles apprennent à interagir avec les autres. Écoute un peu ce que tu dis. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? T'entends-tu parler? Nous devons les laisser. Nous devons les laisser faire quoi? Écoute un peu comment tu le dis. Où est le mal, Naï? Je sais juste te dire que nous devons les laisser se familiariser avec les autres. Socialiser. Écoute-moi maintenant, femme. Prie au Dieu que rien de mal n'arrive à aucune de mes filles. Si quelque chose arrivait à une d'elles, alors tu verras l'autre côté de moi. Prie seulement que rien ne leur arrive. Non, rien de mal ne leur arrivera.
regardait là. Elle fit comme si elle possédait tout l'univers. Oui, elle le possède. Écoute, ne sois pas jalouse d'elle. Elle est jeune, coquette, et elle est fiancée avec l'un des plus beaux garçons de notre royaume. C'est ce qui lui donne le droit de dandiner comme elle possédait tout l'univers. Mange. Mange. Tu aimes? Je ne souhaite pas me réveiller de ces rêves. Quel rêve? Le rêve de te mettre. Écoute, Adam, je t'ai donné absolument tout de moi. Et ce qui est plus grand, c'est l'amour que j'ai pour toi et les sentiments que j'éprouve pour toi. Tiens, tiens. D'autres filles. Les B. Du fait que tu t'es décidé de me rendre triste, je te rendrai aussi triste. Oui, je rentre dans cette fête. Je vais te rendre triste aujourd'hui. Attends, tu verras. <t'en>
Oh, jolie demoiselle. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je viens en paix. Je te suivais depuis. Oui. Écoute, il ne faut pas te faire du mal pour un homme qui n'a visiblement aucune affection pour toi. Certains d'entre nous sont prêts à tout pour être avec toi. Je vais m'en aller maintenant. Mais essaye de ne pas te faire du mal. Hein? Jolie demoiselle. Je passerai encore pour te voir. À quelle heure es-tu partie? Elle est probablement fâchée en ce moment. Encore? Mais qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle t'a vu à côté d'Ada. Et Eji ne l'aime pas. Elle doit être malade pour penser à cela. Ada et moi sommes juste amis. Tu aimes Ada. Et tu aimes être à ses côtés. Jure seulement qu'elle ne te plaît pas et tu ne l'aimes pas. Ça, c'est normal. Normal? Elle sait que Ada t'intéresse. Tu sais quoi? J'en ai assez de cette nuit. Allons à l'intérieur dormir. Entrons. Ce matin. Est-ce que c'est à cause de l'étranger? Ok. Vous aurez dû voir votre père. Il s'est fâché au point de vouloir venir jusqu'au là où vous étiez en train de célébrer pour vous ramener à la maison. Papa, pourquoi? Il n'y avait rien de grave, nous étions juste là à nous amuser, rien de plus. Oh, je te l'avais dit. Hein? J'ai bien compris. Mais comme un père responsable, c'était tout normal de faire ce que j'avais fait là. Écoutez mes enfants. À notre époque, on jouait. Et on jouait. Et on dormait même là où on jouait. Partout. Et devinez quoi? Quand c'était le jour, on continuait de jouer. Oh. Hey, intéressant. C'est d'accord. On peut aller là-bas et rester
toute une nuit, maman. Non, cela n'arrivera pas. Ada, ça n'arrivera pas. Ah ah, papa, fais pas attention à ce que nous disons. Nous sommes en train de plaisanter. Ce n'est pas de la blague. Je sais quoi faire. Et je sais comment te gérer. À cause de vous, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Je retourne à me coucher avant que vous ne commenciez encore à me déranger. Nani, je te rejoins très bientôt. Très bien, ça va aller. Je serai dans ma hutte. Non. Donc vous étiez allé dehors, vous réjouir. On ne faisait que s'amuser. Ok. Rien de plus en tout cas. Vous pouvez rester ici pendant que moi je vais aller m'occuper de la nourriture, d'accord? C'est bon. Odemo, viens, on part. Tu sais comment on fait, non? Ah, maman. Maman, vas-y, je te suis. Tu ne veux pas assister ta mère aujourd'hui à la cuisine? Ah, vas-y, j'arrive, suis maman. Maman. Ok, c'est bien. Attends, okay. J'arrive. Je crois qu'on va rester là à attendre. Tu as intérêt à penser à autre chose. Parce que je pars au champ d'en paix les dents. J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as une femme. Va chez elle. Qu'elle te donne à manger. Va chez elle. Elle va sûrement te trouver quoi manger. Ah. Moi aussi, j'ai faim. Tu pars déjà? Reviens. S'il te plaît, apporte-moi à manger à ton retour. Moi aussi, j'ai faim. Thank you.
Hey, je l'ai demandé de notre terre. Hey, on ne doit pas te voir porter tout ça seul. Mais je peux le faire moi-même. Ne rejette pas une faveur. Cette faveur vient des dieux. Ce n'est pas chaque jour que les dieux nous font de telles faveurs. Allons-y. Une faveur venant des dieux? T'inquiète pas, on avance, on avance. Tout va bien, allons-y. Oui, salut, tout va bien. Attends-moi un peu s'il te plaît. Ceci pour vous tous, hein? Pendant que moi et votre père allons gérer celui-ci. D'accord? Hein? Ok, maman. Merci beaucoup. De rien. Maman, je voulais dire une chose. Je viendrai mes jours à vous, papa et toi, si je finis de manger. Pas de problème. Okay. Chica, toi avec tes gros yeux. Elle se plaint toujours de la quantité de la nourriture. Mais ne le finissent jamais. Nanye. Nanye, oh. Nanye. Nanye, qu'est-ce qui se passe? Nanye. Nanye. Hein? Allez, pas toucher à ma part, ça c'est à moi. Regarde comment tu gourmandes. En tout cas, c'est très bon. Qu'est-ce que tu en dis? Ikegadi. C'est très bon. Très très bon. C'est très bon, ça goûte. Tel que ça est là, il ne manque plus qu'une bonne partie de viande. Hey. Bindi. Nanye. 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 Ne me tuez pas, oh. Pitié, oh. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas, pardon. Hein? Maman? Maman? Hey! Je ne veux pas croire cela. Ce n'est pas possible. Maman. 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 Oh, elle respire encore. Hey. Maman. 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 Maman.
Je... Papa! Il est mort. Hein? Papa! Hey! Non, non, qu'est-ce qui vous arrive? Maman! Maman! Maman, hey! Hey! Maman! Allez, dis-moi, ma nourriture te plaît? Un garçon stupide. Ça, c'est ma nourriture. J'aime absolument tout de toi. Et même ta nourriture et ton... fais-moi manger. Vas-y, fais-moi manger. Hey! fais-moi manger. Vas-y. Mange. Donne-moi aussi la viande, oui. Ils sont morts. Avant même mon arrivée ici, ils étaient déjà morts. Ada? Hey, Ada. Qu'est-ce qu'il a dit? Que mes parents sont morts? Comment? Ada, je suis aussi choquée que tu l'es. Hey, mais ils étaient en bonne santé. Personne d'entre eux souffrait de quelque chose. Comment c'est arrivé? Sincèrement, je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. J'ai juste peur maintenant. Je veux dire, comment est-ce que cela peut arriver à toi? Je vais voir mes parents. Ils n'y sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ada, écoute-moi. Tes parents sont morts. Et le plus tôt tu vas l'accepter, le mieux ce sera pour toi. Je trouve un moyen, essaie de te ressaisir. Je suis là pour toi, moi. Je t'en prie, fais-moi confiance. Viens. Quoi? Hé! Hey! Ça va aller. Les dieux de nos terres! Ça va aller. Je suis là pour toi. On reste ensemble.
Hey. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout le monde a l'air triste comme ça? Oh, ma belle, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ietchi, Ietchi, attends-moi s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le mari et la femme sont morts le même jour et au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de l'autre côté, mon propre frère est ami à cette famille. C'est étrange. J'ai du mal pour ton frère. Que veux-tu dire? Je sais ce que je dis. Tu sais quoi? Allez, lève-toi. Rentre chez toi. Lève-toi. Je n'ai pas de nourriture. Rentre chez toi. Pars, je viendrai te chercher. Donc tu me chasses de chez toi? Je n'ai pas de force pour le moment. Ok. Ok. Allez, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Ada, ça va aller. Tu devrais te ressaisir. Tu ne devrais pas perdre ta force maintenant. Oui, la mort des personnes qui nous sont chères n'est pas une bonne chose. Tu ne peux même pas la souhaiter à ton pire ennemi. Mais ce qui arrive, arrive. On ne peut pas demander au Dieu. Ada, s'il te plaît, sois forte. Arrête de pleurer. Tu dois être forte. N'oublie pas que tu as un Didi qui est resté à ta charge. Donc, tu n'as pas besoin d'une distraction. S'il te plaît. Hugo, mon frère, merci beaucoup. Hugo, merci. S'il te plaît, pars avec moi. Triste, tu as dit? Ça, ce n'est pas seulement triste. Ça, c'est vraiment trop. Comment deux parents peuvent mourir le même jour? Ça, c'est vraiment trop. Hell! Hey! Ça me dépasse vraiment. Ada et moi, nous ne sommes pas amis. Mais je ressens sa peine. Comment est-ce qu'une personne peut perdre ses deux parents le même jour? Hey! C'est totalement inexplicable. Je pense que les dieux leur doivent une explication. Hey! Hey, Ada, y es-tu? Laisse-moi te raccompagner. Hein? Je te raccompagne. Hey! C'est vraiment... Hey! On doit traverser ces mauvais moments ensemble. Tu m'écoutes? Tu dois juste arrêter. Ok? Ok. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Je pars vendre tout ce que j'ai pour te trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger?
Je n'ai pas faim. Je savais que tu allais dire ça. Tu dois manger. Tu n'as encore rien mangé depuis avant-hier. Tu veux mourir aussi? Hein? C'est bon. J'arrive. Je suis reconnaissante pour tout. Ah, je le suis moi aussi. Merci. C'est un plaisir. Je te reverrai bientôt. Je serai ravie. Yom. Oyom. Adamarama. Hey! Ma chérie. Oh! Oh! Arrête! Hey! Désolée. Non, t'en fais pas. C'est bon, allons-y. Je dois trouver quelque chose à manger pour Didi. Elle n'a encore rien mangé jusqu'à là. Oui, c'est vrai. Je t'en prie. Tu dois faire en sorte qu'elle mange. Je t'en prie. Mais attends, et toi qui es en train de parler, est-ce que tu as mangé? Ada. S'il te plaît, viens. Allez, viens. Oma, s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Je vais aller chercher un truc à manger pour elle. Je reviens tout de suite. Ok, merci, c'est bon. Merci, mon amour. Ok. Ça ira. Ada. Qui? Ah, maman? C'est toi? Comment une famille peut perdre les deux parents le même jour? Et les enfants sont restés vivants. Ma sœur, les enfants de nos jours bouffent leurs parents. Ada et sa sœur doivent être des sorcières. Bien sûr qu'elles le sont, puisque la tragédie qu'elles vivent, ça n'arrive que quand il y a des sorciers dans une famille. C'est les dieux connaissent. Pourquoi ne pas seulement fermer vos sales gueules et laisser les dieux s'occuper de ce problème au juste? N'importe quoi.
bonne à rien. Vous n'êtes là qu'à faire du commérage. Je suis sûr et certain que tu n'as encore rien pris du tout depuis que l'incident est arrivé. Mais la vérité, c'est que tu dois manger pour reprendre des forces. Je t'en prie. Adane, en tout cas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Papa et maman ne sont pas morts naturellement. Ndid, juste sois calme. Ne dis pas ce genre de choses. Ne dis plus jamais ça. Mange ta nourriture. Mange. Ada, mange. C'est pour ton bien. S'il te plaît. Que veut dire ce que tu fais à peine de raconter? Adane, tu m'avais entendu. J'ai une sensation bizarre à propos de la mort soudaine de papa et maman. Je ne sais rien à propos de ce que tu ressens, mais s'il te plaît, ferme juste ta bouche à propos de tout ça. Les gens étaient là. Qu'ils attendent, c'est pas mon problème. Qu'ils attendent. Juste réfléchis sur ce que tu dis. Je ne peux pas accepter la mort de papa et maman juste comme ça. Je dois connaître la vérité. Il faut que j'aille consulter un voyant. Hugo. Hey, Hugo, ok. Ouais. J'espère qu'il m'aime d'un amour vrai. Il est exactement ce que je voulais. Il est le cadeau que les dieux m'ont envoyé pour me délivrer entre les mains de ces méchants et instables amoureux qu'on appelle les bébés. Hugo, mon amour. La comprendre. Il va falloir que tu arrêtes de parler de ça. Je m'inquiète à propos de toi. Hein? Pourquoi? Si je le demande. Parce que tu es proche d'Ada et de sa famille. Reste loin d'elle. Tu n'attends pas les rumeurs. Hein? Reste loin d'elle. Maintenant, tu iras dans ta hutte, dormir et continuer de penser des Ada et je ne sais pas quoi. Est-ce que tu me comprends? Vas-y. C'est Ada à tout moment. Pars. Es-tu obligé d'être ami avec elle? Es-tu obligé? Adane, s'il te plaît, nous devons nous rendre quelque part. Je connais quelqu'un. J'irai nulle part. Adane, s'il te plaît, si réellement tu aimais papa ainsi que maman, tu dois découvrir la cause de leur mort. Ils seront très heureux. Je crois fermement que le Dieu les a repris. Tu sais ce qu'on dit. Les dieux donnent et reprennent. Adane, pas pour ces cas, je t'en prie. S'il te plaît. Bien. Va te préparer, je reviens. Merci.
Oye, Naya. Ada. Didi. J'arrive là. J'arrive. Ok. Ah. Bienvenue. Merci. Je voulais passer voir comment vous allez. Ça va? Nous allons bien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ndidi était ici. Ndidi! 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 Hey! 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 Didi. Qu'est-ce qui se passe? Didi! Didi! Hey! Didi! Hey! Ah! Hey! Hey! Didi! 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 Didi. Didi. Qu'est-ce qui se passe? Didi! Hey! Ada! Hey! Didi! Hey! Mais pourquoi? Ça, c'est incroyable! Il y a de cela 3 jours que tes parents ne sont plus. Et ça encore! Non, non, non! Les dieux doivent nous expliquer ces malheurs! Je ne peux pas l'accepter! Je ne peux pas l'accepter, trop c'est trop! Ada, demain nous allons chercher quelqu'un qui va venir pour nous expliquer ce qui se passe dans ta famille. Plus question de me dire que les dieux peuvent donner et puis répondre comme ça! Non! Écoute, ils doivent nous dire pourquoi est-ce qu'un père et une mère peuvent mourir et 3 jours après qu'ils soient enterrés, leur dernière fille meurt aussi. Écoute, moi je suis vraiment à fond dans ça. Quelque chose ne va pas quelque part. Et ils sont morts les jours de l'anniversaire de leur première fille. Non, il y a quelque chose qui cloche. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire ça, eh? Tout ça n'est pas normal. On doit faire quelque chose, et vite. Laisse Ada tranquille. Elle nous appartient. Si tu refuses d'obéir à cette instruction, tu mourras exactement comme tous les autres. Qui es-tu? Juste désobéis et tu verras. Était-ce moi? Me demandant à moi-même de faire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte, c'est que je sais très bien ce que j'ai vu et ce que l'on m'a dit. Si je n'étais pas aussi protégé que je le suis, ces gens m'auraient déjà tué avant même que je ne sois devant toi. Ce que je vais dire, c'est que, s'il te plaît, je n'ai pas envie de mourir. Et je ne peux vraiment pas continuer de t'aimer. Vraiment désolé pour ça. Et n'essaie même pas d'y contester, ok? Parce qu'il n'y a aucun montant de persuasion qui va faire en sorte que je change d'avis. Ada, je ne veux vraiment pas mourir. Et je t'en supplie, au nom de je ne sais quoi que tu caches en toi, ne m'aime plus! Laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Oublie-moi. Hugo, qu'est-ce que tu viens de dire? Hugo, reviens ici! Hugo! Hugo, attends! Hugo! Hugo, mais attends-moi, non? Hugo! Hugo, je t'appelle! Hugo! Hugo! Sérieux, quoi?
Quoi? Et oui, Adam et moi, on a rompu. C'est juste parce que je tiens beaucoup à ma vie que je ne peux pas aller mourir juste parce que j'aime une femme. De quoi parles-tu? Ce que je raconte, c'est que tu devrais m'écouter et prendre en compte mon conseil pour faire de même. Reste très distante de Ada. Parce que c'est soit toi ou moi qui mourra prochainement. Je ne mourrai pas. Ce n'est pas à ces moments durs de sa vie que nous devons la quitter. Elle a plus besoin de notre édification. Eh bien, j'en ai marre. J'ai essayé de l'aimer et de lui prouver mon amour. Mais là maintenant, j'en ai marre. J'en ai fini et c'est fini. Tu peux continuer, je me suis arrêté. Va continuer de surveiller Ada, parce que je ne peux pas me tuer juste comme ça. Je ne veux pas mourir, ils m'ont déjà prévenu. Et ils ne le feront sûrement pas deux fois. Ada est le cadet de mes soucis en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est incroyable. Calme-toi, Ada, s'il te plaît. Je le savais. Je savais que Hugo n'a rien de bon à offrir. Que la douleur, la déception. Comment un homme peut briser les rêves d'une fille? Un grand homme comme lui. Assez. Assez, s'il te plaît. Ada. Ada, attends. Ada. Écoute, laisse-la. Mais qu'est-ce que tu me veux? Non. Elle a besoin d'être seule. Si elle aura besoin d'une personne, ce serait moi. D'accord. Mais... C'est un petit problème. Mes filles, vous devez revenir ici à minuit. J'invoquerai les démons et leur parlerai. L'attaque démoniaque vient de votre... Hey! C'est bon. C'était quoi ça? Il est mort? Il est mort et parti. Ada, je comprends que ton problème est très sérieux. Mais t'inquiète, je vais t'amener chez notre féticheur qui est plus puissant que lui. Ok? Hey, restez là. Hey, silence. Je ne veux pas crier. Donnez-moi tout ce que vous avez ici. Et faites vite, je n'ai pas de temps à perdre ici. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Avez-vous perdu la tête? Des petits garçons comme vous? Hein? Quoi? Moi, Inkena, petit garçon! Mais il s'est passé quoi? Oh là! Hey! Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi tu l'as tué? On n'était pas là pour la tuer. C'est nous prendre ce qu'elles avaient, c'est tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? On y va. Bien, dis-moi, à quoi dois-je cette visite inattendue? Es-tu malade? C'est quel genre de question ça? Nous ne sommes plus amis? Bien, parlons un peu de ma femme dont les parents sont morts il y a quelques jours de cela. Et juste 3 jours après ça, sa petite soeur les a rejoints. Écoute, Etchi, je pourrais être le prochain. Quand je vois le danger, je m'éloigne toujours. Je crois que tu es méchant et sans cœur. Tu as laissé la fille qui t'aime beaucoup, la fille qui t'aime profondément, quand elle avait plus besoin de toi. N'ose pas m'insulter, moi, Etchi. Tu sais quoi? Sors de ma maison avant que je ne fasse pire que ça. Et? Hugo.
Je n'ai pas ton temps. Va-t'en. Je t'aurais prévenu. Va-t'en. Maintenant. Ok. Non mais pourquoi est-ce que aucun de vous n'arrive à voir ce que je vois? Vous n'avez donc pas de cerveau? Mais pourquoi tu cours comme ça? Aura, hein? Aura, Aura est morte. Aura quoi? A marché. Aura? Comment? Je pensais que les gens partaient quelque part. Oui, oui, le féticheur est mort à notre présence. Et on a pris la fuite en courant. Hey! On a vu des garçons qui voulaient nous frapper. Hein? Et elle a voulu les affronter. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Ah non! Mais pourquoi? Hey, hi. Ah non, c'est très grave ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est maintenant que tu t'es rappelé que j'existais. Mais j'étais occupé, non? Hein? J'étais occupé avec Ada et les autres. Maintenant, je suis là. Je suis désolé. J'étais occupé. Avec Ada et bien, les bébés, j'ai trouvé le bonheur, juste comme je l'ai toujours souhaité. Oui. Tu as trouvé le bonheur? Oui. C'est qui cet homme? Je ne l'ai jamais vu ici. Hein? C'est ton oncle ou ton cousin? Je ne comprends plus rien. Hugo? Oui. C'est ton remplaçant. Arrête ça. Viens qu'on en parle. Tu l'as entendu. Quitte ces lieux maintenant et ne reviens plus jamais ici. Va-t'en. Ici? Mm-hmm. C'est ça qu'on appelle un pré-homme. Viens, je t'amène à l'intérieur. Va-t'en. On va à la maison, chérie. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Viens, nous allons entrer. Okay. Hey! Hey! You! 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 Hey! Entre! Hey! Hugo. 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 Oui. Je suis venu voir si tu es en vie. Depuis que tous les gens qui m'entourent meurent mystérieusement. Je suis contente que tu sois en vie. Tu es venu voir si j'étais en vie ou bien non. Mais tu m'aiderais beaucoup en m'oubliant complètement et en oubliant tous les souvenirs que nous avions partagés ensemble. Là, sûrement. Je serai en vie. Je ne suis pas une sorcière, Hugo Chukwu. Waouh!
Donc tu arrives quand même à penser ce que tout le monde n'arrête pas de penser. Grand merci au Dieu parce que je ne l'ai pas dit de moi-même. Tu l'as dit toi-même, peut-être à ta façon. C'est bien. Au revoir. Bye. Oh, tu sais quoi? De ma propre part, celle de mes pauvres parents, ma future femme, ma future épouse, et tout le monde qui est connecté à moi, bye. Bonne continuité de tes stupidités. Que du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle croyait? La nourriture est prête. Bon appétit. Amaka, où es-tu? Ma nourriture. Ma nourriture. Chineke. Donc tu commences à voir un autre homme. C'est pour ça que tu renverses la nourriture? Hey. C'est ta faute. C'est toi qui l'as poussé à faire ça. Tu l'as poussé à bout. C'est ta faute. Je n'ai pas le temps pour du n'importe quoi. Hey. Tu aurais dû me donner cette nourriture pour manger. Hey. Je dois quand même le manger, je dois le manger. À ton retour, regarde comment tu viendras manger cette nourriture. Il a renversé une bonne soupe comme ça. Je vais le manger. Tu as renversé ça par terre. Hey. Oh non, c'est pas vrai. Attends, tu verras. T'inquiète, je le mange. Tu verras à ton retour. Hey. Que tu viens de te réfugier? Non, 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 va-t'en, non, va-t'en, s'il te plaît, laisse-moi non. Laisse-moi te ramener à la maison, s'il te plaît. Non, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Calme-toi, je vais te ramener à la maison. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il te tue ou te blesse. Personne ne va me tuer. Va-t'en. D'ailleurs, tu parles de qui déjà? Les gens qui tuent tout le monde à mes côtés. Va-t'en seulement, s'il te plaît. Va-t'en. Je suis fatiguée de cette vie. Je ne fais que mourir. Ada, tu ne peux pas te tuer parce que les gens que tu aimes meurent. Regarde, tu ne trouveras pas une solution ici. Hein? Rentre à la maison, on va en parler et on trouvera une solution. Non, je ne veux aucune solution. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je ne veux pas que quelqu'un te blesse, s'il te plaît. Viens avec moi, s'il te plaît. Personne ne fera du mal. Viens, s'il te plaît. C'est évident que tout ça n'est pas un accident. Maintenant, tu commences à penser comme je veux que tu penses. Écoute. Il y a une place où je peux t'amener. Non. J'apprécie honnêtement tes efforts, le bébé. Mais s'il te plaît, je serai capable de supporter tout ce qui va t'arriver. Rien ne va m'arriver. Arrête de t'inquiéter pour moi. Ce n'est pas un endroit étrange. Je t'amène chez ma grand-mère.
La manière dont tu m'appelles, hein, ça fait dans ma tête. Yéou. Yéou. Oui. Kelechi. Je peux voir que tu l'as trouvé. Ah oui, je l'ai trouvé. C'est bien lui. Et je suis très heureuse. Ton frère me faisait passer le temps. Espérons que celui-ci ne te fera pas perdre du temps. Chérie. Hugo. Chérie. Hugo. Qui est-elle? Elle n'est personne. Hein? Oui. Okuchi, s'il te plaît, commence à partir avant que je ne m'énerve. Je t'en prie, casse-toi. Que je parte? Oui. Hein? Pars. Ok, je partirai. Mais je ne vois pas cette relation, ou peu importe comment vous l'appelez, aller loin. Pars, s'il te plaît! Chérie, mais qui est-elle? Hein? Est-ce que c'est une voyante? Non. C'est juste une fille stupide et insensée. Ne lui prête pas attention. Hey. Oh, good. Allez, fais-moi une bise. Allez. Ça me tape là. Viens, on va entrer. Toi? Oui. Allez. Non, on marche. Pourquoi on ne finit pas l'amusement ici? Oui. Elle habite de l'autre côté des rives. Dans le royaume d'Akokomere. As-tu déjà été dans un endroit pareil? Jamais. Ma grand-mère, c'est une spirituelle. Elle va voir au-dedans de toi. Oh, coucou, mais ouais. Oui. Une spirituelle? Toute chose que tu dis m'embrie. Ada! Ada, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Partons seulement. Une fois là-bas, tu vas bien te sentir. Crois-moi. J'ai confiance. Crois-moi. Ok? On y va. Viens. On y va. Viens. Et confiance, crois-moi.
Viens. Je suis prête. Allons-y. Maintenant, ferme les yeux. Pourquoi? Sommes-nous déjà arrivés? Oui. Je vais être seul. Je crois toi aussi, non? Pourquoi? Parce qu'à cette étape, nous allons marcher dans la forêt. Et personne ne doit savoir qu'on est là. Personne. Et j'ai encore demandé pourquoi. C'est juste comme ça, la ruse de la forêt. Mais qu'est-ce que tu fais? Ferme tes yeux. Tu devrais les faire quand je les faisais. Mon frère. Et... Quel est-tu? Mais où est-ce qu'il peut bien partir sans me dire? Quel est-tu? Ma chère, est-ce que tu t'es rencontrée avec mon frère? Ton frère? Oui, en route. Suis-je maintenant devenue la gardienne de ton frère? Quel es-tu? S'il te plaît, as-tu fait la cuisine? Oui, j'ai préparé quelque chose. J'ai fait des lignames avec une soupe. Je peux aller te servir en attendant mon retour. N'importe quoi.
Laisse-moi. Quel es-tu? Après ici, juste là-bas, nous allons entrer dans une forêt profonde. Ah, ah, d'après tout, pourquoi devons-nous seulement passer dans la forêt? Tu as dit la forêt de mort? T'occupe pas de moi, je plaisante. Ça s'appelle la forêt verte des rivières. À cet endroit-là, il n'y a plus de terre. Et la seule terre avait pris 5 mois sans pourtant être habitée. Pourquoi? Parce que dans le village voisin, il y a des cannibales. Ils mangent les êtres humains, des gens comme toi et moi. Et regarde, nous sommes tellement frais, et toi en particulier. Non, ça, c'est pas bien. Hey, c'est pas du tout bien. Hey. Écoute, écoute. Il n'y a aucune raison de paniquer, ok? Parce qu'en prenant cette route, nous serons sauvés. Suis-moi. C'est très haut. Hé, hey, regarde ce que j'ai trouvé. Hé, hey, prends. Tu veux que je mange ça? Vraiment? Mais c'est juste un fruit. Naturel. Vas-y. Non, merci beaucoup. Mais tu as faim. Je peux supporter. Oh, attends, je crois que j'ai une autre. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Hey. Et tu manges aussi la viande. Ça? Donne-moi, mange ta nourriture. Et tu veux tout manger toi-même? Ok. Avec un long chemin. Je profite de ma nourriture. Hé! Hey. Un instant, as-tu vu mon frère? Non, je ne l'ai pas vu. Rentrons à la maison. Qui es-tu? Qui es-tu, oh? Garçon, as-tu vu mon frère? Les bêtises! Partons, allez! Les bêtises! Ooh.
Nebeti. Nebeti. Tu m'as appelé? Ne me dis pas que tu es dormi après avoir mangé ta nourriture. Pas vraiment. J'étais juste dans les pensées profondes. On y va. On est tout prêt. Tu as dit ça plus de 7 fois. Nous sommes vraiment prêts. Doucement. C'est-à-dire? Je vais les soulager. Je reviens. Nous sommes faibles pour y arriver. Je sais. Je préfère qu'on est encore loin de là. Ah! Ah! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce aïe, qu'il y a? Quoi? Aïe, aïe. Quoi? Regarde ta face. Je voulais juste t'effrayer. Il n'y a rien de si drôle, il n'y a rien d'amusant de ses côtés. Je m'excuse, c'était juste une blague. À ce que tu t'attends parler. Mais j'ai dit que je m'excuse. Je t'aime. Mais c'est quoi le problème? J'ai dit que je t'aime. Tu dis que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes, mais je ne t'aime pas. Reviens. Je dis reviens. Approche. Idiot. Tu dois t'incliner en me saluant. Oui, yeah. Je suis Ingala, la Dabara du royaume d'Akukumiri. Et je ne suis pas prête à accepter toute forme d'impolitesse venant de vous. Retiens-le dans ta petite tête. Hey. Ces gens et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ngala oye nganga Waya je monwe Princess of Abara. Qu'est-ce qui se passe, vieille femme? Le soleil ne se couche pas sans apporter une nouvelle. Akukumiri est sur le point d'expérimenter la nouvelle aube.
c'est grâce à moi. Je suis la seule personne qui peut infliger ou terminer la souffrance de ces peuples. Le leadership me revient. Tu as une touche de fourmi dans cette affaire. C'est une affaire d'éléphant. Une fourmi peut tuer un éléphant. Tu sais ce que je peux faire. Examine ce qu'il avait dit. Et non ce qu'il dit. Ngala onye nganga, the princess of Agbara, why I jam on the way, Ngala onye nganga. Je suis Ngala onye nganga, la princesse d'Agbara. Ngala, la princesse d'Akukumbiri. Je suis là. Qui sont-ils? Ngala onye nganga, the princess of Agbara. Why I jam on the way? Je t'envoie tout de suite semer la terreur sur leur chemin. Pars. Pars maintenant! Montre-toi. Je suis intouchable. Je suis le petit-fils de Inagba, de l'ancien royaume d'Akumiri. Et je viens en paix. Elle ne devait pas être là. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pars voir ma grand-mère. Elle ne peut pas être là avec toi. Laisse-la partir. Non. Je suis la raison pour laquelle elle est ici.
et elle vient avec moi. Seule une mouche têtue peut suivre le cadavre jusqu'à la tombe. Un géant arbré des baobabs ne peut pas avoir peur d'un petit bois. Je connais mon chemin. Maintenant, disparais. On verra dans ce cas. Qui c'était? C'est juste une fille jalouse du royaume de Kokombele. Elle est partie. On y va. Hein? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Allons-y. Rien ne va nous arriver. Allons-y. On ne dort pas dans la forêt. Reste éveillé et aucune chose ne peut t'atteindre. Tu souhaites que quelque chose nous arrive? Pas exactement. Il faut juste être prudent.
Allons-y. Tiens-toi debout. Allons-y. Doucement. Mon enfant, que fais-tu là? Je ne suis pas ton enfant. Si j'étais ton enfant, tu allais faire de moi la dabala, juste comme je l'ai toujours souhaité. Meurs et laisse-moi prendre la reine. Ça, c'est pourquoi j'ai vécu jusqu'à maintenant, pour l'accomplir. Ce n'est pas de ta destinée de tenir les bâtons de leadership au Akukumiri. Alors elle n'arrivera jamais, pas tant que je serai en vie. Ainsi, tu mourras. Ah! 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 Ma princesse! Aïe! Ma princesse, 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 ma princesse, hé, hey. Princesse, princesse, hé, hey. Hé, hey. Princesse, 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 hé, hey. Hé, hey. Notre princesse, hé, 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 hé. Mes salutations. Tout ça pour moi. Je suis très populaire ici. Tu vas voir. J'espère que tu m'en voudrais pas. Ah, à l'époque, j'étais très jeune. Yeah. Très fort. Tu vois? Salutations. 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 Salutations.
Attends. C'est quoi le problème avec ce peuple? Ne t'en fais pas. On est déjà tout près de la maison de ma grand-mère. Avance. Glorifié. Que le Dieu soit glorifié. Maintenant, je peux aller me reposer, tout en sachant que le royaume de Akukumiri est entre les bonnes mains. Entre les bonnes mains. Et entre les bonnes mains. Entre les mains sûres. Les mains sûres. Que le Dieu soit glorifié. Ada, je suis là dehors. Cet endroit, c'est une terre magique. Tout peut arriver. Regarde, je crois que c'est à cause de moi. Je veux dire, j'ai grandi et je suis là avec toi. Les gens pensent que tu es ma femme. Bien sûr que je vais t'épouser. Ah, n'insulte pas mon ami. Je suis sérieux. Je suis ta femme. Je dois la pousser se prosterner devant moi, même oui. Les anciens. Oui, parce que la femme est plus louée et adorée que l'homme. C'est le village de ma mère. Rien dans tout ça veut dire quelque chose à moi. Ce sont juste des confusions. Ma grand-mère parle aux esprits. Elle va nous expliquer. Tant mieux. Allons-y là-bas. Toi encore? Wabara, qu'est-ce que tu nous veux? Je suis contente parce que tu connais que je suis Wabara, la fille de Dieu. L'heure est venue pour que je devienne Ada Bala du royaume d'Akukumiri. Et je n'accepterai aucune forme de distraction. Jamais. Qu'est-ce qu'elle veut de nous? Je suis confus. Elle a dit que c'est le temps de devenir la fille de Dieu. Elle se réfère d'elle-même comme enfant de Dieu. Maintenant, la fille de Dieu. Où est la différence? Fils de Dieu peut être n'importe qui. Et c'est souvent une imitation. Mais la fille de Dieu... C'est Dieu lui-même. Elle peut posséder toutes les spiritualités dans les capacités spirituelles. Il n'y a aucune limite sur ce que tu peux faire. Enfant de Dieu, fille de Dieu, peu importe. Ah! On se rapproche. On y va. Eni Abara. Abaramagne. La préférée des dieux. Grand-mère, ma grand-mère, ton fils est de retour. Bienvenue, mon fils. Merci. Merci d'avoir ramené Ada dans ses racines. De quoi parlais-tu? Grand-mère! Votre Majesté, de Adagbala, de la terre de Akukumiri, bienvenue
sur la terre de tes origines. Nous avons longtemps entendu ces jours. Je peux maintenant dire au Dieu de me rappeler. Hein? Oui, puisque j'ai rempli toutes mes obligations au peuple de Akokumili. Approche, mon enfant, viens avec moi. Allez, viens avec elle. Ngala, onye nganga. Race so far bara. Why I came all the way? Ngala, onye nganga. Princess of Abara. Why I came all the way? Ngala, onye nganga. Le feu étranger n'a aucun pouvoir sur la terre des Okokumili. Rentre d'où tu viens, maintenant. Me tuer? J'allais même te tuer pour ce qu'ils disent. Qui est-ce que cette femme faisait? De quoi elle parlait? Je suis choquée comme toi. Je ne suis plus choquée. J'ai déjà vu ce genre de choses un jour. Pourquoi elle se prosterne devant moi? Je n'ai aucune idée, mais on peut l'approcher. Elle est moitié humain, moitié esprit. Je ne parlerai pas avec un esprit. Alors, parlons cette partie humaine, d'accord? Regarde, calme-toi, calme-toi, hein? Ada? 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 Tu es notre Ada Agbara. Nous bénissons le Dieu pour t'avoir retourné dans tes origines, à travers mon petit enfant. Si tu dépasses un leader, ton cou sera brisé. Et moi, je ne vais pas avoir un cou brisé. Je ne comprends rien. Comment pourrais-je être Inada, peu importe, dans un endroit que je ne connais pas? Tu ne sauras le comprendre par l'intelligence humaine jusqu'à ce que tu embrasses les bâtons de l'autorité. Embrasser quoi? Les bâtons de l'autorité. Embrasser quoi? Les bâtons de l'autorité. Écoute,
il y a une communion profonde entre toi et les dieux. C'est un moyen de te soumettre à l'ère du leadership. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple et toi, tu es notre Dieu. C'est ici la maison de tes parents. Oui. Lébé, je pense que tu disais que cette femme était une spirituelle pour voir des choses. Exactement. Mais elle est en train de nous mentir. Ce n'est pas ça la maison de mes parents. Je connais le village de mes parents. Écoute, ma fille. Ils étaient utilisés pour t'amener de l'autre côté du monde. C'est ici ton monde. C'est ici ton monde à toi. Tu es grande pour être servie et adorée. Ton absence nous a causé beaucoup de tort, des morts subites et l'inimitié entre le sang humain. Ah. Tu es notre Dieu. Agbarawani, écoute-moi. S'il te plaît, comprends-moi. C'est un arrangement insensé. Non. Ada, tout va bien. Regarde, je crois que tu dois écouter ma grand-mère. Ada. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, tu ne vois pas. Mon peuple, ils sont ici. Quel peuple? Il n'y a personne d'autre à part toi et moi. Où sont-ils? Hein? Cet endroit, c'est l'endroit où ils étaient morts. Le vivant n'a rien à faire ici. Ada, mais de quoi parles-tu? Hein? Nous devons dégager d'ici. Maintenant? Ah non, voyons. Et même si on devait partir, pas ce soir. Je m'en fiche. Lui sur mes lèvres, je m'en fiche. Ok, d'accord. On va partir. De demain à la première heure, on quitte le village. Regarde, hein? Mon peuple. Mais quel mon peuple? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne. Alors tu es aveugle. Nous devons quitter. Cet endroit n'est pas bon pour nous. Allons-y. Ok. On part. Allons-y. Lébé est en sécurité. Peu importe l'endroit où il est. Tout paraît étrange. Les yeux de notre terre, s'il vous plaît, ne tuez pas mon frère. C'est arrivé. Que devons-nous faire maintenant?
Je crois qu'on devait juste rester ici jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Bien sûr que je vais partir. Je n'apprécie pas les histoires de ces villages et leurs esprits. Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Ferme ta bouche maintenant! Et ils l'ont fait. Mais quelle puissance! Quel pouvoir! Tu viens de commander les esprits et ils ont obéi. Je ne comprends rien pour de vrai. Y a-t-il quelque chose que tu m'as pas encore dit? Oh, voyons, n'insulte pas. Tu m'as fait mêler dans tout ça. C'était juste le courage. C'était le pouvoir de Dieu Tout-Puissant en moi. Laisse les yeux des notaires tranquilles. Ils ne vont pas comprendre ceci. Ils n'ont pas Dieu ici. Dieu n'existe pas ici. Exactement. Les dieux d'ici sont très différents des dieux de notre terre. Tout ici est différent. Ah, c'est confus. Oh. Je suis confus aussi. Mais sérieusement, il y a le pouvoir dans tes paroles. Attends une minute. Tu n'es pas sorcière? Ou un esprit? Ou encore ces gens que nous avons vus? Je vais juste demander. Mais... cette histoire devient de plus en plus intéressante. Hmm? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, ce qui vient de se passer récemment. Hein? Ce qui vient de se passer ne veut rien dire. Alors on ne rentre plus là-bas. Es-tu sérieuse? Ada, tu as parlé aux morts. Et ils ont obéi. C'est toi qui me l'avais demandé et j'ai pensé que c'était juste un langage. Les morts n'ont pas de langage. Ils ne peuvent pas parler ni entendre. Tout celui qui parle aux morts est un esprit. Et les esprits ressuscitent. Alors, je suis comme une spirituelle? Non. Tu n'es pas comme les esprits. Tu es l'esprit lui-même. Peu importe ce que ça signifie. S'il te plaît, allons-y. Et tu connais même les chemins. Tu n'es pas ordinaire. Princess of Power. Why I came on the way? Gala, oh yeah, ganga. Princess of Abara. Why I came on the way? Gala, oh yeah, ganga. Ngala, oye nganga, princess of Abara, why I came on the way? Ngala, oye nganga. Je ne peux pas bouger.
Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? N'est-ce pas que êtes-vous tous drôles? Denya Bara, Awa Bara, ou Ada Bara, maintenant c'est Diabara. Où est cette Bara lui-même? Oh, ferme-la! Et pourquoi tu parles dans un arbre? Oh! Elle peut prendre n'importe quel poste ou position qu'elle veut. Eh, regarde, je m'en fiche. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je vais juste rentrer d'où je viens. Ce n'était pas moi qui t'avais mis sur cet endroit. Alors pourquoi moi? Fais-les. Et par après, tu vas le nier que c'était pas toi qui m'avais demandé de le faire. Je suis là maintenant. Fais-les. Fais-les. Je te libère. Regarde, toutes ces choses ne veut rien dire pour moi. Je vais juste rentrer d'où je viens. Non, non, non. S'il te plaît. Tu dois rester. Écoute-moi. Nassel. Nassel. Agekwe niru niru. Ada, tu ne dois pas partir. Car sinon, le pire tombera sur nous. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Adabi Konwo. Adabi Konziano. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Je déciderai plus tard. Hey! Crois-moi de ma livre.
Les dieux de notre terre à Kukumiri. Les dieux de notre terre à Kukumiri. Nous te ramenons ta fille, Adagbara, en qui tu règnes et domines. La voici devant toi. Ton amour inconditionnel est notre protection. Tes prévisions seront manifestées. Ovroma kamwa pansia. Mna golibani walea. Nasela nas. Aje kuya niru niru. Asi ne jo kari adu de na totu wani. O kala kata kewu na nyu. O veri anyo pribla chobi ayi na avom. O de si do anyo wudi o meden nede. Mna golibani walea. Golibani walea. Apeta apeta. Golibe. No luluki. Oh, tu as carré l'eau de la tête, tu as dit. Ah, tu as dit que 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 Bwedike, 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 ubojogo, manazi kwalie. Kwandi besi nivara kokona diyo, dinafane kwisi, abara telo kanejo. Adabala. Hey, wabiyam. Adabala. Bwedike, 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 ubojogo, manazi kwalie. Ori ve ku kane me. Ya kane me. Adabala. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je t'avais bien dit que... Hein, maman, tout ira bien. Calme-toi, maman. Maman. Tu es guérie. Hé, hey, maman, tu es guérie. Maman, tu vas bien. Hé, hey, béni soit les dieux de Akokoumoué. Hé, hey, maman. Maman, c'est vrai ça. Tu es vraiment guérie. Hé, hey, béni soit nos dieux. Maman. Oh, ma fille. Qu'est-ce que tu as? Oh. Merci, les dieux de notre terre. Je me suis réveillée. Merci, les dieux de notre terre. Je me suis rétablie. Oh. Merci, je vais bien. Je suis guérie. Merci. Merci, oh. Princess of Agbara, why I came on the way? Ngala oye nganga. Le gros animaux apparaissent les soirs quand le chasseur finit de faire sa chasse. Petit à petit, tu perds la tête. Tu ne peux pas appeler un chien avec un fouet dans la main. Le blâme de l'antilope, c'est sur les chasseurs. L'éléphant ne vit ni ne domine sur les autres animaux. Mais les eaux ne vont pas loin de leur lieu de naissance. Ça, c'est mon village d'origine. Quoi? Répète-les. Ton quoi?
Tu es né à Itouli et c'est là-bas que tu appartiens. Les habitants d'Akukumeri m'appartiennent. Ça, c'est mon lieu de création. Mon existence et mon esprit traînent ici. Et c'est ici que j'habiterai. Tu ne peux gravir le sommet d'une montagne avec ces minables ailes que tu possèdes sans que tu ne sois écrasé. Et je vais t'écraser. D'être pressé pour seulement avoir des enfants avec beaucoup de regrets. Peu importe la façon dont la rivale est, elle partira un jour. Peu importe. Les oiseaux de la même espèce finirent toujours de la même façon. La chauve-souris, bien qu'elle a des ailes, elle n'appartient pas au rang des oiseaux. J'en ai assez de ton corps, ton âme et ton esprit. Honnêtement, je n'ai pas vu assez de ce que tu as fait, mais j'en ai marre de toi. Finalement, tu devrais habiter et exister dans cet arbre-là. Non! Tu ne peux pas me faire ça, non! Non! Et si les gens commencent à poser des questions? Ça fait des années qu'on est mariés. Pas de grossesse, pas d'enfants, rien du tout. Même les gens qui se sont mariés après nous ont déjà des enfants. Regarde-nous maintenant, nous sommes là, sans rien. Ce n'est pas de ma faute. C'est au Dieu de cette terre de nous les enfants. Oh non, tais-toi! Tu vas te taire. N'ose plus ouvrir cette bouche-là. Nous sommes allés partout. Où est-ce que nous sommes pas allés? Partout nous sommes allés. On nous a bien dit que la faute était à toi, et non à moi. Comment ça peut être ma faute? Tu es le seul homme que j'ai connu toute ma vie. Écoute ce que tu dis. Tu dis que je suis le seul homme. Mais qui a dit ça? Quelle est la source de ton histoire? Dis-moi. N'est-ce pas que tu m'as épousée, vierge? Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, arrive sous ta responsabilité. Non, explique un peu ce que tu veux dire par là. Non, dis-moi. Cela signifie quoi? Mais je n'ai pas de temps pour toi. Je n'ai pas de temps pour toi. L'année prochaine, à la même période, je pose une autre femme. Jamais! Je ne te laisserai pas! Qu'est-ce que cela veut dire? Non, dis-moi! Qu'est-ce que cela veut dire? Mais je n'ai pas de temps pour toi. Je n'ai pas de temps pour toi. L'année prochaine, à la même période, je pose une autre femme. Jamais! Je ne te laisserai pas! N'ose pas. Naï, s'il te plaît. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je ne laisserai pas amener une autre femme ici. Non. Naï, ce n'est pas de ma faute. Oh. Non. Ceci n'arrivera pas. Les gens ne vont plus me respecter si je lui laisse prendre une autre femme. Et notre tradition interdit aux hommes de prendre une deuxième femme, à moins que cette femme manque certaines valeurs primordiales. La stérilité est l'un de ses problèmes. Que les dieux de cette terre me viennent en aide. Je ne permettrai pas que ceci arrive. Si je ne trouve pas la solution, il va prendre une autre femme. Je connais un endroit que je peux t'y conduire. Malheureusement, je ne peux pas me rendre là-bas.
Dans ce cas, décris pour moi cet endroit, comme ça je vais y aller moi-même. Et si ton mari refuse? Juste calme-toi. D'où viens-tu? Nous devons nous engager dans ce voyage. Pourquoi? Tu sais, aussi longtemps que tu veux avoir un enfant, tiens-toi prêt à payer le prix pour faire ce voyage. Sinon, je ne te laisserai pas prendre une deuxième femme. Écoute, même si je ne suis pas en mesure de te donner un enfant, sache que c'est à moi de donner l'approbation sur ton deuxième mariage. Ah, Ouli. Tu me fais du chantage. Non. Je suis plutôt en train de protéger mon mariage. Alors, où est-ce que nous allons? Je ne sais pas. Mais nous devons commencer ce voyage maintenant. Nous acceptons de vous ramener notre fille après ces 15 ans d'existence de l'autre côté du monde. Nous la ramènerons ici. Manakbalo na tata o. Manakbalo na tata o.
Femme, si tu échoues à faire cela, les esprits ancestraux de Akokumiri te détruiront. Et quiconque complote cette guerre spirituelle Nous sommes d'accord. Laisse ton homme parler, femme. Parle. Bien, je... Nous acceptons. Donne-nous seulement un enfant. Seul celui qui mange à table avec les dieux peut savoir comment sent la bouche des dieux. L'enfant est l'enfant unique des esprits. Abarakukumbiri. Elle sera porteuse d'un bon vent, de richesses et de prospérité. Mais elle doit retourner à notre origine. Ok, très bien. Nous allons commencer. Naï, qu'est-ce qu'il y a? As-tu compris l'alliance que nous avons faite avec la déité? Oui. Pourquoi? 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 Tu viens juste de réussir à mettre nos vies en danger. C'est bien toi qui m'as poussé à prendre cette décision drastique. Alors, ne te plains pas. Ça fait déjà un très long moment, mais nous ne voyons toujours rien. Je me demande si aller là-bas était approuvé par les dieux. Ou sont-ils devenus subitement silencieux? Si c'est le cas, alors ce serait à cause de toi. Tu as assez douté pour qu'ils changent leur avis. Nani. Les dieux ne sont pas humains et ils ne nous décevront pas. Ils tiennent parole. Ils nous observent pour consommer notre foi. Il ferait mieux de ne pas être silencieux. Et il ferait mieux de ne pas changer d'avis. Parce que, au plus tard, le festival de l'année prochaine, je vais épouser une autre femme. Avec ou sans ta permission. Ainsi, sois prêt à faire face à la ruine. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Avant le soir, on va nous amener le vin de palme que j'avais commandé. Ok. Et encore, la viande boucanée dont je t'avais parlé. Mm-hmm. Et celle dont je t'avais parlé qu'on devait nous amener. Je sais que ça sera une grosse viande. Mais qui? Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai mal au ventre. Quoi, tu as mal? Ah, ça peut être dû à quoi? Non. Tu veux que je t'apporte de l'eau? Ah, 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 je vois que ça devient sérieux. Ma chérie, attends. Reste là. Mais comment appeler ça? Ok, devrais-je... Des herbes? As-tu besoin d'herbes? Dois-je presser des herbes pour toi? Ah, j'ai mal. Attends, reste là. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'eau? Je ne sais pas. Donne-moi de l'eau. Hey, chérie, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne veux pas d'eau, tu ne veux pas de l'herbe. Je vais faire quoi maintenant? Ok, ne t'inquiète pas. Je suis là, je vais t'aider. Hein? Je suis là avec toi. Hein? Je reviens. Hein? Je reviens, attends-moi. Ime, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Ma femme a mal à l'estomac et je ne sais pas pourquoi et je ne sais quoi faire. S'il te plaît, viens. Allons-y. Ta femme? Oui. Ah, ah. Allons-y. Allons-y. Elle est à l'intérieur. Viens, allons-y. Non, reste là. J'arrive. Il faut que je reste là. Doucement, allez, essaye de plier. Ok, comme ça. Laisse-moi voir, ok? Je vais aller doucement. Allez. Hey! Le dieu de nos ancêtres. Hey! Le dieu de notre terre. Que le dieu de nos ancêtres soit loué. Hey! 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 Attends, j'arrive. Je reviens. Hey! Mais tu ne dis rien jusque-là. Que se passe-t-il? Ta femme est enceinte. Hein? Elle est enceinte! Non, attends un peu. Non, attends. N'es-tu pas juste en train d'essayer de m'encourager? Est-ce la vérité? Ta femme est enceinte! Elle attend un bébé! Ma femme est enceinte! Hey! Finalement! Hé! Hey, ma femme est finalement merci au Dieu. Que le grâce Dieu soit loué. Rendue à nos dieux. Oh, Dieu. Hé, hey, chérie, je suis très content. Hé! Hey, Hé! Hey, les dieux, je vous remercie. Ma chérie, nous allons voir notre enfant. Nous allons voir notre enfant. Hé! Hé! Hey, hein? Tu sais quoi? Hein? Dès aujourd'hui, je vais préparer pour toi. Je ferai la nourriture pour toi et n'ose pas me dire que tu n'as pas faim. N'ose pas. Alors, c'est l'histoire de ma mère qui était morte. Messieurs, cela veut dire que ma petite sœur n'était pas ma sœur de sang. Nasle, nasle. Adopue niru niru. Exact. Plusieurs années après ta naissance, l'ami de Ouli était morte en mettant au monde. Ouli avait décidé de prendre soin de l'enfant qui était Ndidi.
cela est arrivé 6 ans après ta naissance. Ils sont devenus très riches et ont commencé à croire en leur dieu. Ils croient que leurs dieux sont différents de nos dieux. Je pense qu'ils avaient fait. J'ai entendu que c'était une partie de ça. Exact. Tu contrôles tout ce qui est spiritualité. Surtout quand ce royaume est concerné. Nasale, nasale. Aye, pouye niru, niru. Nasale, nasale. Age kwe niru, niru. Oh mon Dieu, ça fait à présent plusieurs jours qu'il ne vient pas me visiter. C'est quoi le problème? Je ne connais même pas sa maison. Je crois que je dois me rendre au carrefour et essayer de me renseigner. Peut-être que je réussirai à les trouver. Belle, s'il te plaît. Quoi? Je suis maintenant un esprit. Et alors? Pense à la façon dont tu me touches. Tu ne peux pas voir cette sagesse de l'esprit? Bien. Je suis curieux de savoir comment ils se sentent. Ça s'appelle l'aventure. On peut les faire même ici. Hein? Ne sois pas fou. Regarde. Allons-y doucement. J'étais tombée amoureuse de toi aussi. Et j'aimerais qu'on soit ensemble. La fin de la discussion. Hein? Hey! Je suis désolée. Ils ne veulent pas que tu fasses ça à moi. Ok, je vais attendre. Je t'aime. Elle dit qu'elle m'aime. C'est tout ce que je voulais entendre. On va voir ça. Qui a dit ça? C'est moi, bien sûr. Quoi? Non. Elle me met dans l'arbre? C'est quelle sorte d'endroit ça? Hein? Mais tout esprit ici. Donc je suis le seul être humain normal ici. Si je meurs, je les rejoins. Je sais quoi faire. Je vais l'épouser. Et je vais la convaincre de délocaliser les sanctuaires entiers vers notre royaume. C'est ce que je dois faire.
Ainechi. Ainechi. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sérieux. Aïe, il est en train de pleurer. Oh. Grand-mère. Le rire d'un enfant, la lumière d'une maison. Ingratitude. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, grand-mère. Grand-mère, je suis tellement reconnaissant pour toute chose. Je suis de même reconnaissante. Qu'est-ce qui t'excite autant? Je vais me marier. Quoi? Ne peut épouser un esprit qu'un autre esprit. Le mariage est une période vitale et de communion dans cet endroit. Une fois dedans, il n'y a plus de sortie. Tu ne peux pas épouser Ada Agbara. Non. Pourquoi? Pourquoi? Fils, c'est parce que elle est un esprit. Bien. Si elle est un esprit et qu'elle m'épouse, je deviens aussi un esprit comme elle. C'est ça? Non. Hugo, mon amour. Hey. Hugo. Hugo, chérie. Oui. 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 Mmh. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi même pourquoi tu te réfères de lui comme un amour? Hein? Désolée. On m'a dit que mon amour habite ici. Hugo, tu le connais? Hugo. Obi. Écoute, mais laisse-moi te filer un conseil. Si c'est Ego qui es-tu refaire comme ton amour, tu ferais mieux de nous rejoindre. Tu ferais mieux de nous rejoindre, oh. Mm-hmm. Néo, nous sommes déjà à trois. Tu n'as qu'à venir nous compléter. Arrête de te décevoir toi-même. Oh, toi, mon amour. Viens nous rejoindre. Mm-hmm. Mais est-elle aussi enceinte de lui? Peut-être. Noma, jolie fille, bienvenue. Allez, souris. Sois la bienvenue. Tu sais quoi? Rentre à la maison, rassemble toutes tes affaires et viens nous rejoindre. Viens, ma chérie. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est que Hugo est un coureur de jupons, un Casanova. De la même façon qu'il a trouvé le moyen de convaincre ton cœur pour que tu tombes finalement amoureuse de lui, c'est probablement de la même façon qu'il a fait pour nous conquérir toutes. Alors, bienvenue ma belle. Viens nous rejoindre. Non, je ne vous crois pas, Luffy. Non. Hugo! Qui sont-ils qui dérangent la paix de mon camp? Ihem. Qu'est-ce que tu fais ici? Hugo,
Pourquoi as-tu arrêté de me rendre visite? Et ces filles sont enceintes de qui? Ça, ce sont mes femmes. Ou tu es aussi enceinte? Si c'est le cas, tu devais rejoindre Laurent. Je peux me reposer dans ma chambre. Hugo. 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 Tu ferais mieux de nous rejoindre, né. Arrête de perdre ton temps. Mieux vaut tard que jamais. Dis-nous si tu es déjà enceinte. Hugo, mon amour. N'importe quoi. Te dérange pas. Ton frère va bien. Il sera bientôt de retour. Il sera bientôt à toi. Vis ta vie normalement. Ne te dérange pas. Ne te pose pas des questions du genre où il est bé. Ne te dérange pas. La grand-mère était ici. Ah, ça va. Elle m'a même touchée. Ah. Yabara, je veux te voir. Je veux te visiter. Attendez. Lébé, elle m'a même fait un câlin. Je comprends maintenant. Il était allé avec Ada. J'espère qu'il n'est pas mort. Puisque quiconque est en contact avec Abara a la vie sauve. Oui. Lébé, mon frère. Tu veux rester là-bas, si tu veux. Je vais aller voir mon ami Wakego. C'est ce qu'on doit faire avec ce que tu viens à peine de dire à propos d'Elia. Merci, s'il te plaît, oublions. J'ai déjà un homme. Elia, Bala, ton petit-fils. Je vais l'aider. La sagesse d'autres personnes empêche le roi d'être appelé un fou. Et si les anciens ont bénéficié d'un héritage de paroles de sagesse, tu ne dois pas l'abandonner pour adopter un langage enfantin. Les nouveaux ne font pas peur aux anciens. On est tous pareils, voyons. Qui est-il? Ton mari en devenir. Quoi? Cet imbécile du Vron? Et quoi va nous? Il y a un médium. Tu dois le considérer maintenant comme ton mari. Tu sais, il est béni avec l'esprit complémentaire qui va te rendre capable de gérer et de bien gouverner les affaires de ce royaume. Tu as sérieusement besoin de lui.
et sa révérence et ton excellence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre de climat? J'ai très froid. S'il te plaît, arrête ça. Fais quelque chose. Ce n'est pas à ma faveur. Grand-mère, s'il te plaît. J'ai accompli ma mission ici. Je ne comprends plus rien là. Arrête. Arrête le climat. J'ai très froid. Il est temps, mon fils. Vis longtemps. Et sois richement béni. Grand-mère. 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 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.